Vendredi 12 janvier, les téléspectateurs de Bonjour ont eu droit à une belle surprise. Alors que Monique Younes consacrait sa chronique à la Journée internationale des roues, Christophe Beaugrand a révélé un scoop sur son collègue Ange Noiret. Le futur animateur de Secret Story a affirmé que le présentateur météo n'est plus un cœur à prendre. Et que justement, cette Journée internationale des roues, il devait bien la connaître puisque sa fiancée est rousse. Ange Noiret, on ne s'étale pas sur le sujet. Quelques secondes plus tard, Ange Noiret, tout sourire, a débarqué sur le plateau pour présenter son bulletin météo. Ce dernier a été accueilli par Bruce Toussaint qui lui a directement demandé la véracité de cette information. Ce à quoi le principal intéressé, avec un grand sourire, a répondu, « Oui, mais ne parlez pas de ma copine quand je ne suis pas là. » Il faut dire que le présentateur météo n'a pas l'habitude de s'épancher sur sa vie privée. Il préfère rester discret sur son idylle. Mais ses collègues n'ont pas lâché l'affaire, et ont tenté d'en savoir plus sur la fameuse fiancée rousse. On aimerait bien la rencontrer, a insisté Bruce Toussaint, tandis que Christophe Beaugrand a souligné que leur relation était assez récente. Bruce Toussaint a tenté de clore le sujet en disant que l'essentiel est qu'on n'en parle pas trop. Une idée à laquelle Ange Noiret a complètement adhéré. Le nouveau présentateur météo de TF1, avec un brin d'humour, a lancé, « Oui, voilà, qu'on ne s'étale pas sur le sujet. » Mais visiblement, c'était plus facile à dire qu'à faire. Un secret bien gardé une demi-heure plus tard, juste avant le lancement d'un nouveau bulletin météo, Bruce Toussaint est de nouveau revenu à la charge. Alors, je repensais à votre fiancée, je me disais, plaisante l'animateur. Mais face à un Ange Noiret, visiblement embarrassé, le présentateur de la matinale a décidé de se raviser. Allez, on arrête de vous taquiner. Finalement, malgré toutes les tentatives, Ange Noiret a réussi à terminer l'émission sans dévoiler le visage de sa compagne.